jour des élections, on est en train de sentir que bah village, tout bah, territoire, il y a République démocratique du Congo, ils allaient menacer de plus en plus. Du côté de Maïndo, Metomoni, Bamobondo, Bimi, pour vouloir récupérer encore certaines terres. Tomoni, côté à Kinshanga, Namukolo Mwalelo, en tout cas, ça barde entre le Wazalendo et les M23. Et la suite, on vous dira un peu plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai quand même le plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Trésor Poutou, avec qui nous allons aborder certains sujets d'actualité. Torolo Belao, nous sommes tout à l'heure sécurité. Torolo Belao est allé processus électoral. Bienvenue, M. Trésor. Oui, merci. Merci, madame. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion de saluer nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, mais aussi saluer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les premiers citoyens du pays. Merci. Alors, il faut quand même dire que les élections, hein, ça risque d'être un élément déclencheur de chaos, avec Onyo, surtout tous les vivres en haut, Mokolo Malelo. Jusque-là, de ce côté-là, défense, Madame, vous savez, la question sécuritaire, d'abord, c'est une question d'État. Je sais très bien que le gouvernement de la République n'a pas baissé les bras quant à ça. Le gouvernement de la République travaille vraiment pour la réhabilitation de la paix dans cet espace du pays. Nous croyons, parce que ce qui se faisait avant et maintenant, il y a quand même une très grande différence. Si vous voyez, en 2022, là-bas, ça ne pouvait pas. Donc, personne ne pouvait. Mais actuellement, quand même, on a à maîtriser certains coins de cet espace-là. Nous espérons que ça va toujours finir par aller, grâce aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais donc, aussi le ministre de la Défense. Toujours qu'il est quand même une élection. Oui. Parce que le Rognon Sotouana est télémi seulement à quelques jours des élections. Ça veut dire que, est-ce que l'élection vraiment est causée en Amboka ou avec... Mais il y a élection. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, même à nos frères opposants, à toutes les plateformes participantes, il y a élection, bien sûr. Il y a élection parce que c'est la seule institution habilitée à organiser les élections, la CENI, qui nous assure. Vous voyez même les processus, Monsieur ça va. En Ingala, c'est mieux. Oui, sans problème. Oui. Dans le bac, élection est au Salima. Parce que tout le monde a que CENI, Oyo, Azana Makoki, a organisé l'élection, a promettre. Il y a eu des pots, il y a des candidatures, il y a des députés provinciaux et municipaux et tout, il y a eu des pôles à candidature, il y a des députés nationaux, il y a eu aussi des pôles à candidature, il y a des présidents de la République. Donc, en décembre, avec précision, élection et Kozala, Bobongama, tout kende na maponami. Malgré l'insécurité, on a insisté, malgré l'insécurité, on a union sur tous les alliés qui se vivent, na mais Kinshanga, je vous rappelle que na 2018, espace Wanape, il y avait insécurité, mais l'élection est salée. Nous sommes très nombreux, nous sommes plus de 26 provinces. Tosa, presque 26 provinces dans Mboka Oyo. Si ça arrivait peut-être que ça, c'est ma proposition, si ça arrivait qu'une province n'a pas participé aux élections, malgré ce sont des citoyens. Ce n'est pas la volonté ni du président de la République, ni du gouvernement. Il y a des élections, mais à circonstances. Ce que nous pouvons retenir est que... Mais le président a promis que dans la fin du mandat, il faut sécuriser les gens. Mais ce qu'il est en train de faire. Je vous promets, je promets aux Congolais. Le 20 décembre, Kalamine était au Kenya. Bien sûr que oui. Ce qu'il est en train de faire. Bien sûr que oui. C'est les compatriotes qui le font, ce n'est pas lui. Mais les compatriotes, par quelle vision? Sous quelle vision? Le premier citoyen du pays, c'est Tshisekedi. Il ne faut pas ignorer ça, madame. Donc, côté Mobondo, on a fait faire des CP, par exemple, à beaucoup attaquer peut-être. Non, non. Vous savez, Mobondo, c'est d'abord nos compatriotes. Bazaba Namboka. Mais qui nous menace? Ils ne nous menacent pas. Ils ont leurs revendications. Parce que nous avons une famille, na la muka un certain jour, nous avons Mbeli, nous avons presque un membre de la famille. Non, non, je ne suis pas fou. Donc,
chaque revendication a une cause. Sur les revendications, la Morisa, par rapport à quoi? Oui, c'est Aïe. Solo Lakina, ministre de l'Intérieur. Oui, oui, Solo Laki. Bazana ba cause ou émissier. Et c'est au ministre de voir ce qu'il peut faire pour Nakosi Samakambwana. Mais ce que je peux vous dire est que Makamouni Sowana est aussi là. Tu sais ce qu'il dit que nous voyons, Oyotozo Mona Batobili, Bazo critiquer l'opposition, c'est le seul président, je suis devant le média qui est public, qui doit mettre fin à l'insécurité, à la guerre, à la faim, au chômage. Et c'est lui. Au chômage. Bien sûr que oui. Les chômeurs basant en Bougon. Oui. Bah, chômeur basant est belé. De quelle manière? Il va mettre fin. De quelle manière? Il y a déjà les processus. Mais il a commis déjà la fin mandat, ça la pique à rouler quand même. Oui, oui. Tu as dit que constitution et lobby, un mandat, une fois renouvelable. Mais, tu sais que dit, ce que je vais vous dire encore, madame. Vous savez, nous, Congolais, on a cette tendance-là, il y a un mandat et tout. Mais moi, je vais vous dire que Tshisekedi n'a pas le mandat compté au sommet de l'État. Il a une mission. Moi, je peux vous dire ça. Une mission. Oui, une mission que je ne détermine pas le temps et qu'aussi là, l'autonomie. Donc, Tshisekedi est en train de travailler pour les Congos. Vous savez, nous, au Congo, nous voulons plus les élections et nous ne voulons pas les changements. Tolingi, ma ponami, mais Tolingi, changement. C'est constitutionnel, vous voulez quoi? C'est constitutionnel, bien sûr. Oui. Mais la constitution qui ne servit pas le pays, on peut les bannir pour la cause du pays. Donc, bino batoua union sacrée, bonimbo. Pas batoua union sacrée, non, non. Non, mais changer. Voilà ce que vous avez fait, vous avez révélé, vous avez changé la constitution. Vous avez changé la constitution. Non, non, vous avez changé la constitution. C'est dans vos projets. Vous avez changé. Et ça, c'est un projet de sauter. Nous, et le président Tshisekedi, Toza Batu Oyo. D'abord, le premier régime Namboka Oyo est respecté constitution, n'a droit de l'homme. Ok, donc, comme Tolingi, élection, mingi, que les cas de développement. Oui. C'est quoi ça, il faut changer constitution, donc élection, tout est remonté, ou élection, tout est remonté, après combien d'années? Qu'on change constitution, et ça n'a. Je suis Congolais, mais je n'ai pas ces mots d'ordre-là. Il appartient à tous les Congolais et aussi à l'Assemblée nationale de décider. Mais aussi, les longs n'ont pas eu Congolais que Tolinga élection, mais Tolinga changement. On a eu le président Tozalakina, président Kasavu Bounamboka Oyo, Tozalakina, président Mobutu, Tozalakina, Laurent Désiré, Tozalelona Tshisekedi. Je ne cite pas Kabila parce que moi, je ne considère jamais Kabila comme étant président. Non, il a été président. Non, non, ça il c'est. Il a dirigé pendant 10 ans. Ça c'est vous, ça c'est vous. Non, ça, c'est vous et non moi. Non, non. Moi, je n'ai jamais considéré M. Kabila comme étant président Namboka Oyo. Parce que, d'abord, ici à Kinshasa, un président de la République qui n'a réussi à construire même une école primaire. Aucune école primaire. Vous avez construit combien? Nous, on est dans les mille quelques. À Kinshasa, combien? Oh, il y en a plusieurs. Combien? Totambo Lanayo. Combien? Écoute, madame. Et sans chiffre. Combien à Kinshasa? Écoute. Aussi, tu es l'école Moroka. Oui, Kinshasa est plus vaste. Combien? Je veux vous dire que Naselimbao. Combien? Nous avons Oyongana Kei Penamoni. Nous avons construit trois écoles Naselimbao. École Nini. Bah, école primaire, bien sûr. Bakombolango. Oh là là là. Monsieur Trésor, Bakombolango. École. Non, madame. Osa journaliste, il y a investigation. Oui, oui, je vais vous prendre. Regarde, vous voyez la prochaine émission. Torosa Lelango Awati. Donc, il y a une école au Bisso. Non, tu sais qu'il dit tout construire. Parce que je suis aussi parmi ceux qui contribuent dans le mandat il y a président Félix. Donc, il y a place où on a la question, madame, au moni école au Bisso, tu sali, au Kabila Salate, et c'est ça, tu sali mission place où on a. Donc, je vais vous dire que depuis Kasavu Boutilelo, le Congo n'a jamais eu gain de cause. Et ce n'est pas important d'aller toujours aux élections. Moi, si c'était... J'ai l'impression que vous faites rêver quand même. Si c'était ma décision. Vous faites rêver les Congolais avec deux mots, mais en réalité, il n'y a pas de réalité. Écoutez, madame, de choses palpables. Quelles sont les réalités que vous voulez? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que Tshisekedi a fait descendre Nini Lola et Kita Awa pour que mon akéazo sala. Les lots, Batu Oyobino Boyebi, ils ont anéanti. Hôpitaux, il y a l'État, au détriment, il y a hôpitaux na banque privé. Combien d'hôpitaux peut Nous avons construit plusieurs hôpitaux. Combien? D'abord, ici à Kinshasa, je vais vous parler de Mama Yemo. Tu as construit en haut. Malala.
Maman yémon, ezalaki na niveau ezalaki te. Na lobby maman yémon. Maman yémon, ezalaki na niveau ezana ngote. Mais botongi yango te. Ezaki déjà poubelle. Botongi ndé. Kotonga ezanyon sauté, kotonga ta toche brique moko ezaka kotonga. Vous voulez qu'on construise quoi madame? Donc totongi po ezana niveau ezana ngoa. Mais vous promettez de reconstruire ba hôpital. Normalement, c'est ce que le président de la République est en train de faire. Dans tous les territoires il y a Congo, les programmes il y a 145 territoires, toujours construire dans chaque territoire. Hôpital, école, et nous les faisons. Ok. Oui. D'accord. Alors, tu as la sécurité. Le oui. président de la République, Moni Anomaki, à titre exceptionnel. Oui. Hein, monsieur Idi Kapend. Monsieur Idi Kapend, après autant d'années, oui. où il est radié même, dans l'armée, oui. la zone ici, il est là, pécier place, oui. place d'honneur oui. par le président de la République. Oui. En même temps, le président a innocenté monsieur Joseph Mukungubi, il est haut, il est tout mais finalement, qu'est-ce qui se passe tout autour, il y a président? A-t-il peur oui. du menace de monsieur John Numbi? C'est comme ça qu'il faut Mais John Numbi, John Numbi, John Numbi ne représente rien, madame. Vous êtes sûr? Je suis sûr et certain. Mais pourquoi tous ces changements? John Numbi ne représente rien et il ne fera rien. Il n'y a aucune menace au Yoye à cause là. Oh, tu sais qu'il y a quoi banga? Mais menace pourquoi ces changements précipités? Oui, c'est ce changement ils a précipité. Hein? Le président de la République a un programme et c'est un monsieur le mieux organisé. Il travaille selon son programme. Vous savez, Dieu ne ment jamais. Vous voyez le destin, l'étoile d'une personne, vous pouvez l'étouffer, mais l'étoile finira toujours par briller. J'avance ces mots. L'étoile de monsieur Idi Kapend. Ah bon. J'avance ces mots en tant que chrétien, mais aussi croyant. Et pourquoi? Ils ont voulu peut-être l'affaiblir. Vous voyez, si vous êtes innocent dans une affaire, tôt ou tard, et Dieu savait que c'est au moment de Tshisekedi que Idi Kapend doit recouvrir sa liberté et aussi doit avoir cette nomination. Et ça précipité, c'est le temps de Dieu, et mais aussi son innocence est définie par là. Ou parce que le chef de l'État se sent menacé comme il n'y a aucune menace. Temps, en même temps, il veut se faire protéger par il n'y a aucune menace. Il n'y a aucune menace autour. Il y a présent de ce qui est dit. Dans 3 ans, il va gratter. Mais moi, je suis en train de me poser une question. Oui. Avec autant de généraux, autant de soldats qui sont dans notre armée, vous allez grader 3 ans, oui. successivement quand même. Oui. Mais je ne sais pas, je suis en train de me poser la question. Oui. S'il était en face de moi, je lui poserais cette question, mais pourquoi? Quand vous faites mieux les choses, vous méritez une récompense. Donc vous trouvez que dans 3 ans, on a M. Tshisekedi, il a fait mieux plus que... Comme quoi il a fait? Ok, écoutez, vous voyez aujourd'hui, les choses avancent mieux à l'est du pays. C'est grâce à M. Tshisekedi. Normalement, c'est lui. Non. Les Wazalendo, oui. Écoutez, les Wazalendo, c'est un groupe de compatriotes volontaires. Mais M. Tshisekedi, c'est lui qui assure la défense du pays. Mais vous voyez qu'il y avait menace que ces gens-là, du M23, prennent le temps d'assiéger Goma. Ils n'ont pas eu ce temps-là. Et aussi, avant même que les Wazalendo commencent leur... répression sur le M23. Mais M. Tshisekedi avait beaucoup même travaillé. Nous avons eu à récupérer même d'autres villages. Ah bon? M. Tshisekedi aujourd'hui, il a aussi sa vision. Il a aussi sa vision, bien sûr que oui. M. Tshisekedi aujourd'hui... Oui, vous comprenez-moi. Oui, M. Tshisekedi lelo azapena oyo yaye vision. Au monique, ba militaire na biso nde bazalaki avant, na lelo... Vous ne voyez pas quand même la différence. Même si vous passez en route comme ça, vous vous croisez avec un militaire, vous trouvez d'abord... Écoutez, vous trouvez d'abord un militaire propre, présentable. Au Monique, non, c'est un militaire congolais. Mais la poche en est l'autre. Écoutez, la poche en a combien? Tout ne marche pas au même moment. Mais le ministre, tout ne marche pas au même moment. Moi, je suis un compatriote qui réfléchit. Moi, je condamne cette affaire-là de beaucoup donner aux ministres et aux députés, alors que ceux qui travaillent d'abord au premier plan pour les pays ne bénéficient rien. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas de ceux-là qui viennent seulement défendre les pouvoirs, défendre Tshisekedi. Non, non. Quand ça ne marche pas, moi, je dis ça ne marche pas.
Mais alors, de quel côté ça ne marche pas au Yomoni? Écoutez, il y a patriote. Je n'attaque pas nul opposant de la République, mais je condamne cette mauvaise foi au Yakozoa, autant d'argent donné aux députés, alors que bas militaires Nabiso, peut-être ils n'ont pas beaucoup. Vous voyez? Moi, je condamne peut-être ça. Peut-être ils n'ont pas beaucoup. Je condamne ça. Je ne suis pas de ceux qui viennent. Non, non, tout marche bien. Non, non. Si ça ne marche pas, moi, je vais dire ça ne marche pas. Il y a nos terres qui sont en otage par le M23. Est-ce que je vais dire ça marche? Je vais dire au président de la République qu'il fasse quand même l'effort. Il y a Kosa, la Mako, Kinyonso, tout récupérer Bambokawana. Mais le problème, c'est que ce n'est pas Tshiwewe qui fait le travail seul. Il est entouré d'autres personnes. Il est entouré. Mais pourquoi Bazopé Sakara a plus d'importance que les autres? Bazopé, c'est l'importance. C'est la dans mérite. Dans 3 ans. C'est la mérite. Et les autres là? C'est la mérite. Et les autres là, maman n'a pas voulu qu'on capé. Vous voyez, quand on est dans une famille, vous êtes maman, vous préparez à la maison, tous les enfants ne mangent pas au même moment, madame. Il y a ceux peut-être qui sont à l'école. Ils doivent manger quand ils vont revenir. Vous voulez qu'on rémunère, qu'on donne la chance et une fois tout le monde, non. Ça va se faire progressivement. Alors, par rapport, il y a titre exceptionnel accordé à M. Eddy Kappen. Oui. Est-ce que les alliés volonté personnelle, il y a chef de l'État, est-ce qu'ils ont réuni quand même les conseils supérieurs et la défense pour décider? Oui, vous savez, d'abord, le président de la République, il est d'abord le commandant suprême de l'armée congolaise. Et la décision lui revient avant de consulter la conseil supérieur de la défense. Il est d'abord lui-même le commandant suprême. Si M. Kappen est arrivé à être récompensé de telle façon, moi je ne le condamne pas. Moi d'abord j'encourage ça parce que le moment des autres viendra. Et ce n'est pas une mauvaise chose, madame. Le faire sans consulter ni consulter les conseils supérieurs de la défense, cela ne m'importe pas. Mais moi, ce que je vois, vois un compatriote. Félix, je vois. Non, il n'a jamais violé la Constitution. Il n'a jamais violé la Constitution, Félix Tshisekedi. Moi, je vois un compatriote, Eddy Kappen, promis, élevé, et c'est une joie pour la République. Il a encore la force vraiment de... Il a la force. Et d'abord, sur le plan technique, il a la force. D'accord, ok. Oh oui. Alors, rapidement, on va parler du processus électoral. Mais c'est une question, en fait, que je voulais poser. Bah, raison Nini et Koukotine a été Lelo Félix, population congolaise, a PCI deuxième mandat. Merci, c'est une excellente question. Vous voyez, Félix Tshisekedi, c'est une bonne personne. Un bon président que la RDC n'a jamais connu depuis le temps. Tshisekedi d'abord a une vision. Je parle d'une bonne personne par rapport à sa vision. Okay. Tshisekedi a une excellente vision pour ses pays. Sur le plan développement, sur le plan économique et sécuritaire. Mais aussi pour le bien du peuple congolais. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a créé plusieurs structures d'accompagnement de jeunes sur l'entrepreneuriat. Mais vous ne vous intéressez pas, madame. Vous ne vous intéressez pas. Si aujourd'hui vous voulez créer une entreprise, vous voyez, avant, pour créer votre entreprise, ça pouvait vous prendre des millions, ça pouvait vous prendre beaucoup pour avoir même des documents. Mais aujourd'hui, avec 40 dollars, allez au guichet unique. Vous avez vos documents, vous pouvez lancer votre entreprise. Il y a FOGEC, il y a ANADEC, il y a Conseil national des jeunes, il y a plusieurs structures. On finance les jeunes. Vous venez avec votre projet, vous les définissez et vous êtes financé. Donc Félix Tshisekedi a une vision. Moi, j'encourage même, ce n'est pas le moment de la campagne, mais j'encourage la population congolaise à se saisir de cette opportunité, donner encore la chance au président de la République, Félix Tshisekedi, un deuxième mandat. Et je crois, Allemagne d'Afrique, Oyo, Ayebisabiso, mais nous sommes en train de vivre déjà l'Allemagne d'Afrique. Et je crois, dans son deuxième mandat, il va conclure et les Congos... Mukwege fait quoi? Mukwege veut nous amener l'homosexualité. Mukwege, c'est un produit de la France. Moïse Katumbi n'est pas congolais, c'est connu de tout le monde. Est-ce que vous croyez quelqu'un qui est italien du père,
qui est zambien de la mère, rwandais de sa femme, peut avoir quelle loyauté? Il peut avoir quelle affection avec les Congolais? Il faut demander à ceux-là qui sont autour de Moïse Katumbi à Lubumbashi, ils souffrent, madame. Hein? Mais ce Sanga peut faire quoi, madame? Qu'est-ce que ce Sanga représente? Je vous informe aujourd'hui que ce Sanga a été élu à Kananga en 2018 grâce à Félix Tshisekedi. Quand tu l'as quitté Fayulu pour se joindre à Félix Tshisekedi, c'est là qu'il a été élu. Mais Fayulu représente quoi, madame? Opposant unique. Qu'est-ce que M. Fayulu représente? M. Fayulu, cette fois-ci, je vous promets qu'il aura 0,1% aux élections et il ne représente rien. Le seul candidat Oyo Azana Mutu ya ba Congolais, au ba Congolais ba moni réalisation na ye, et ça Félix Tshisekedi. Et c'est une distraction. Il y a pas question de Denis Kadima. Il y a pas question à Denis Kadima. Il y a question Jean-Marc Kabunda bande pour prévenir. Non, il y a pas glissement. Allons-y oser. J'appelle toutes les parties prenantes, allons-y aux élections, que le meilleur gagne, mais je crois le meilleur c'est le numéro 20. Et Félix Tshisekedi. Et c'est connu de tout le monde. Voilà, cette émission est terminée, hein, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, madame. Juste un mot de la fin. Oui, et mot de la fin, j'appelle la jeunesse congolaise à se relever. Nous sommes une génération qui doit impacter, nous sommes une génération qui doit changer les choses. Que la jeunesse congolaise se saisisse de cette opportunité de s'investir d'abord dans l'entrepreneuriat. La distraction ne nous apportera rien. Aujourd'hui, nous voulons tous aller en Europe. Aujourd'hui, nous voulons tous faire ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, vendre de l'eau, c'est entreprendre. Vendre les archives, c'est entreprendre. J'appelle la jeunesse congolaise à s'investir dans l'entrepreneuriat. Et je crois que le Congo de demain sera meilleur et promis. Alors, merci beaucoup, Monsieur Trésor. Merci, madame. Pour nous avoir donné l'invitation. Merci. L'équipe Nyo, surtout, à Congo Uni. Bandeko Balandi, likez, abonnez-vous massivement. Monsieur Trésor est déjà abonné. Oui. Alors, moi aussi, je vous demanderai de vous abonner et surtout de partager cette émission ainsi que de commenter. Au revoir.